le matin, sois attentif. Alléluia. On va parler de l'alliance des alliances. Dis, alliance des alliances. Cette alliance, la Bible l'appelle aussi l'alliance nouvelle ou l'alliance universelle. Et puis après, nous allons parler comment faire pour sortir des alliances des sorciers de nos familles. Les alliances que nos pères ont tirées le diable, que toi-même tu es né, tu as tiré le diable, comment faire pour sortir de là? Vous allez voir après cette action-là que nous avons faite, beaucoup vont rendre témoin de Jésus. On me suit. Mon frère, ma soeur, maintenant, on va rentrer dans l'enseignement de ce jour, avant de prier. Mon frère, ma soeur, Dieu, on va se rendre vers toi pour te dire qu'il n'a pas changé. Pour comprendre la nouvelle alliance ou l'alliance du salut et de rédemption, prenez Jérémie 31, verset 31. L'alliance de rédemption ou du salut ou la nouvelle alliance. Dans Jérémie 31, verset 31, tu vas comprendre qu'est-ce que la nouvelle alliance ou l'alliance de la rédemption. Ma fille dit ça. Jérémie 31, verset 31. Oui. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia! Si Dieu parle d'une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a une alliance qui existait. Monsieur chrétien, tu vas te sauver ce matin? Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance avec l'humanité. Alléluia. Pourquoi il a dit ça? Le premier jour de lancement, nous avons dit quoi? Qu'il y avait un pont de communication entre Dieu et l'être humain. Le pont a été brisé. Donc ça a mis un mur entre Dieu et l'homme. Mais Dieu, dans son amour, toujours pour chercher l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un plan du salut. Un plan de rédemption pour sauver l'être humain. Il va faire quoi? Maintenant, il va choisir parmi les êtres humains sur la terre un homme qu'on appelait Abraham. Alléluia! Au travers d'Abraham et sa descendance, va créer un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Au travers de ce peuple, Dieu dit, il va tisser alliance pour sauver l'humanité entière. Une nouvelle alliance, c'est-à-dire pour rétablir l'alliance d'Éden qui a été brisée. Vous ne comprenez pas? L'alliance universelle qui a été brisée, Dieu veut maintenant faire une autre alliance avec l'humanité. Donc il a fait un plan du salut au travers d'Abraham et son peuple. On me suit. Sois attentif. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Prenez Éphésiens 2, verset 11 à 19. On va voir pourquoi Dieu a décidé de faire une nouvelle alliance avec l'humanité. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Alléluia, allons doucement. Pourquoi Dieu fait une nouvelle alliance? Ce verset dit clairement que toi et moi, on était des païens. Et si monsieur, ce matin même, on était de gros païens. Oui, on était comment? Des incirconcis. On nous appelait incirconcis. Hein? Incirconcis. Oui. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelez incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Alléluia! Dieu, maman, je vais te dire, il veut faire une nouvelle alliance avec toi. Parce que souviens-toi, femme, souviens-toi, homme, souviens-toi, jeune homme, souviens-toi qu'avant là, tu étais païen. Tu ne connaissais pas le vrai Dieu. C'est Satan que tu adorais. C'est Satan qui était ton Dieu et ses démons. Un puissant Amen. Ma fille, il dit quoi? Privé du droit de cité en Israël. Alléluia! Tu n'avais pas le droit avec les Juifs.
Ils étaient bénis avec Dieu, mais toi, tu n'avais pas ces droits-là avec eux. Et si comprenez mieux les chrétiens, tu étais privé de la gloire de Dieu. On était pas impuissants, mes chrétiens. Oui. Mathieu, vas-y. Étrangers aux alliances de la promesse. Toi et moi, on était païens, on n'avait pas accès aux bénitions des alliances de Dieu avec les Juifs. Est-ce qu'ils me suivent même? On était privé de tout ça. Alléluia! Toute la gloire de Dieu, on n'avait pas accès à ça. On était perdu, toi et moi, on était perdu. Est-ce que tu me suis? Donc, quand on était païens, on ne connaissait pas Dieu, il a pitié de toi et moi. Impuissant, amen. Puisqu'il y a un peuple qui l'a choisi, il a tissé alliance avec eux. Il est béni, mais toi, c'est sa créature. Comment faire maintenant pour que toi, païen, tu aies accès à sa bénédiction, à sa gloire? Il dit, je vais faire une nouvelle alliance. Et ce matin, l'alliance entre toi et Dieu va commencer ce matin. Oui, ma fille, vas-y, dis quoi? Sans expérience et sans Dieu dans le monde. Ouais, ça. On était sans espérance. On n'est pas l'espérance de la vie éternelle. Impuissant. Amen. On est 700 Dieu. On ne connaissait pas Dieu. D'ailleurs, on insultait Dieu. Toi et moi, on était des païens. Impuissant. Amen. Donc Dieu, pour nous sauver, pour nous, c'est-à-dire pour permettre que nous puissions avoir la vie avec Israël, il va chercher à faire une nouvelle alliance. Ma fille dit quoi? Verset 13, dit quoi? Verset 13. Oui. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Tu entends ça? Donc, on était éloignés de Dieu. Maintenant, à cause de Jésus, on est approché de Dieu. Tu me suis? Oui. Car il est notre paix. Oui. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Voilà. Maintenant, entre Israël... petit viens. Voilà Israël, peuple d'Israël. Moi, je suis un peuple païen. Maintenant, pour que Israël et le païen puissent avoir accès à Dieu, par la mort de Jésus, il devient maintenant une seule personne. Israël et puis le païen. Pour qu'on puisse avoir accès à Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Oui, ma fille, vas-y. Et qui a renversé le mur de séparation. Les Juifs nous appelaient, petit bien, les Juifs nous appelaient les incirconcis, les païens. Donc, il y avait un mur entre nous, les Juifs. Donc, Christ passe à moi à la croix et le mur de séparation a été brisé. Maintenant, les Juifs et nous, maintenant, nous sommes un. Maintenant, le mur entre Dieu et nous a été aussi brisé. Impuissant même. Voilà la révélation. Oui. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Oui. Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Tu as vu, non? Donc maintenant entre nous et Israël, il y a la paix. On a maintenant un seul corps, un seul peuple en Jésus. Vous suivez? Oui. Et de le réconcilier. Oui. L'un et l'autre en un seul corps. Avec Dieu par la croix. Tu as vu, non? Donc, par la mort de Christ Jésus à la croix, la nouvelle alliance va nous permettre maintenant, entre Israël et nous, d'être un seul peuple. On devient maintenant enfant de Dieu, comme les Juifs, pour avoir accès à l'éternel. Voici le plan caché que Dieu a révélé au monde entier. Que les incrédules ne comprennent pas. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre le plan de Dieu. Le plan de la rédemption, le plan du salut. Est-ce que je me souviens un peu? C'est fini? En détruisant par elle l'inimitié. Oui. Verset 17. Oui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Donc, toi et moi, on était loin. Et puis, Jésus est venu dire quoi? Paix! Maintenant, par ma mort, il y a la paix entre toi et Dieu. Est-ce que tu comprends même? Tu ne connais pas Dieu, non? Maintenant, par sa mort, maintenant, par son sacrifice, la nouvelle alliance, tu as maintenant la paix entre toi et Dieu. Oui. Et la paix à ceux qui étaient près. Tu as vu? C'est Israël qui était près de Dieu. Maintenant, entre toi, païen, et puis Israël, maintenant, il y a aussi la paix entre vous.
Est-ce que vous me suivez un peu? Oui. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Dieu a fait la nouvelle alliance? C'est à cause de toi et moi. On peut continuer. Oui, ma fille, dis quoi, la suite? Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, oui, ni des gens du dehors, oui, mais vous êtes des citoyens des saints. Alléluia! Donc, je veux ce matin cinq frères. Faites-y, venez. Je veux cinq. Celui qui est là aussi, viens. Oui, cinq personnes, venez. Viens. Voilà, viens. Venez ici. Vous allez comprendre. Il y a combien? Un cinquième. Viens, petit. Oui. Un cinquième. Donc, selon la Bible, toi et moi, on était des païens, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, au moment Abraham, Isaac, Jacob et puis Israël faisaient alliance avec Dieu, nous, nos ancêtres faisaient alliance avec le diable et ses démons. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Voici Abraham, Isaac et Jacob. Et puis le peuple d'Israël. Suis, tu suis. Abraham est l'ancêtre des Juifs. Lui, il a accès à l'alliance avec Dieu. Au moment où ton ancêtre paternel, maternel, est tissé à l'alliance avec le diable. Vous allez comprendre les influences des alliances. Donc, monsieur, comprenez-vous, vous allez comprendre les alliances, les influences des alliances. Donc, Abraham a tissé alliance avec Dieu. Donc, Dieu l'a béni au temps de l'alliance, n'est-ce pas? Dans Genèse 13, verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Abraham est fait rempli d'or et d'argent. Maintenant, Abraham a mis Isaac au monde. Alléluia! Quand il a mis le diable au monde, il a commencé à adorer le Dieu de son père Abraham. Donc, Abraham lui a communiqué ses alliances, les bénédictions de ses alliances avec Dieu. Vous ne comprenez pas? Maintenant, quand son fils est né, il lui a communiqué les bénédictions de son alliance avec Dieu. Bah, c'est venu ici. Amen. Voilà. Prenez vos portables. Prenez vos portables. Prenez vos portables pour venir. Là, ils vont comprendre. Prenez vos portables. Chacun reconnaît que son portable, non? Voilà. Donc, voici Abraham. Dieu l'a béni à cause de l'alliance. Il lui a donné une bénédiction. Alléluia. Il a mis son fils Isaac au monde. Isaac, son fils, reçoit la bénédiction de son père Abraham. On me suit. Maintenant, lui, il ne s'est pas assis les bras croisés. Il dit, comme mon père a tissé l'alliance avec Dieu, moi aussi, je tisse alliance avec un. Lui, de manière personnelle, il a tiré une alliance personnelle aussi avec Dieu. Donc, Dieu va ajouter à l'alliance qu'il a reçue de son père une autre bénédiction. Ça lui fait double. Maintenant, lui, il a mis Jacob au monde. Son fils Jacob a commencé à adorer le Dieu de son père, Abraham et Isaac. C'est l'arrière-petit-fils d'Abraham, n'est-ce pas? Donc lui aussi n'est pas assis à les bras croisés. Il va tisser alliance aussi avec Dieu. Par des sacrifices. Donc, Isaac communique les deux bénédictions d'Abraham et d'Isaac à son fils Jacob. Maintenant, Dieu va ajouter à sa bénédiction la bénédiction de son alliance personnelle avec Dieu. Bénédiction personnelle. Dieu met ça sur les deux bénédictions. Il lui donne. Ça lui fait combien? Maintenant, lui, maintenant, il a fait 12 enfants qui sont les descendants de Jacob qu'on appelle le peuple d'Israël. Maintenant, Jacob, il va communiquer les trois bénédictions à ses descendants. Vous suivez? Maintenant, les deux, ils forment Israël, n'est-ce pas?
ils vont tisser, on a vu dans le dimanche passé, une alliance de communauté. Une alliance d'ensemble avec Dieu. Maintenant, de manière individuelle, chaque tribu d'Israël tisse alliance aussi avec Dieu. Maintenant, chaque individu dans le peuple, dans la tribu, tisse alliance avec Dieu. Maintenant, Dieu maintenant va accumuler toutes les bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et les bénédictions des alliances avec Israël. Il les communique tous à tous les Juifs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, de génération en génération, les gens ont communiqué les alliances de bénédiction à leurs enfants. Ça veut dire quoi? Abraham, son alliance a affecté son fils Isaac. L'alliance d'Isaac et d'Abraham ont affecté son fils Jacob. Son alliance a affecté, maintenant lui, à son avis, a affecté maintenant tous ses 12 enfants. Vous voyez maintenant? Vous ne voyez pas que les Juifs sont puissants sur la tête des hommes? Maintenant, la Bible, toi et moi, on était des païens. On ne connaissait pas tout ça là. Je ne comprends pas les chrétiens. Qui me suit? Vous connaissez l'enseignement? Voilà. On ne connaissait pas tout ça. Donc, au moment où Abraham tisse alliance avec Dieu, ton grand-père, arrière-grand-père, au temps d'Abraham, le voici. Il était païen. Tisse alliance avec le diable. Elle a les sorcelleries. Alliance pour s'enrichir. Elle a celle des démons pour aller faire la guerre. Bon, puisque alliance avec le diable, on ne prend pas bénédiction. C'est les malédictions en accumulent. Oh, tu peux en avoir puissant. Donc, dans les portables. Donc, voici les bénédictions. Satan, ils ne donnent pas bénédiction. C'est de grandes bénédictions. Attrapez ça. Donne-moi les tous. On voit le paquet. Bon, c'est blanc. Ça ne représente pas la malédiction. Il n'y a pas de caoutchouc noir quelque part. Blanc, là, c'est le symbole de la bénédiction. Voilà, ma fille, voilà. Satan mérite ça. Voilà. Donc, Satan, au lieu de donner bénédiction à ton grand-père, au temps d'Abraham, il lui donne une grosse malédiction. Alléluia. Donc, lui, il a mis ton arrière-grand-père au monde. Lui aussi, il a vu son père adorer le diable, non? Lui aussi, il va adorer le diable aussi, il va faire des alliances avec lui. Donc, son grand-père, lui commis les malédictions de son alliance avec le diable. Lui aussi, il a tissé l'alliance avec le diable, non? Lui aussi, Satan lui donne une malédiction à cause de l'alliance. Est-ce que tu me suis? Maintenant, lui aussi, il a fait un enfant qui est un arrière-grand-père. Lui, il a vu son père devant le diable. Lui aussi, il fait alliance avec le diable, avec ses démons. Donc, ton père, son père, lui communique. Hey! Malédiction de son père, ses malédictions, lui remet des malédictions. Maintenant, lui aussi, va recevoir les malédictions de son alliance avec le diable. Satan ajoute. Vous voyez comment les matières s'accumulent sur ta vie? Maintenant, lui aussi, il a fait des enfants. Il va donner tout ça à sa progéniture. Et je vais me faire alliance avec le diable. De génération en génération, il y a le poids, le fardeau de malédiction qui frappe ta tête. Vous ne voyez pas qu'on souffre? Depuis 1000 ans, 2000 ans. C'est en 2002 là, moi j'ai connu Jésus. Enfin, je partais avant l'église, mais je partais parce qu'il faut aller chauffer les bancs. Je ne comprends pas les chrétiens. Tu as connu Jésus là, tout récemment, en 2022 là-haut. Et toutes les malédictions que tu as accumulées depuis 1000 ans, 2000 ans. C'est un fardeau. Et c'est complètement le côté. Ma fille, lis-moi Lamentation 5, verset 7. Là, ils vont comprendre quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi on souffre.
Lamentations 5, verset 7. Oui. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Tu entends ça? Tu entends ça? Suivez très bien, regardez. Voici. Nous, on, maintenant, c'est notre génération ici, notre génération. Donc, nous, on est là, on a connu là Jésus. Ou bien, et puis on est donné souffrir dans la pauvreté, dans la misère. Maintenant, on dit, ah, c'est nos ancêtres-là qui ont tissé alliance avec le diable. Ils sont morts, et puis c'est nous qui portons le fardeau de leur malédiction. C'est parce qu'on se dit souvent, je ne comprends pas. C'est pas comme ça qu'on se dit souvent. Donc, pourquoi c'est nos pères qui ont péché? Voilà, on est donné souffrir à cause de leur péché. Voici pourquoi. Au lieu, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes matériels, tu as des problèmes de mariage. C'est à cause de l'accumulation des matières, des alliances de tes parents. Vous voyez qu'on a un grand combat à mener, non? Voici d'où viennent nos problèmes. À cause des alliances de nos parents. Même toi-même, quand tu es né, tu es allé voir les fétiches, les marabouts, toi, tu as fait alliance avec eux. Tu as ajouté aussi à la malédiction. Donc, c'est ma fille, dit encore le verset. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, aujourd'hui, c'est toi et moi, on porte la peine des matins, des alliances de nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Comprends pas les chrétiens. Les malédictions générationnelles. Maintenant que toi et moi on a connu Jésus, tu as fait quoi pour être délivré? Tu prends maintenant tous ces fardeaux de malédiction là. Tu as fait quoi? Tu as dit à Satan, je ne veux plus de tes malédictions. Tu comprends la révélation? Tu jettes ça, ce moment-là, tu renonces à ça. Tu deviens libre maintenant. Maintenant, tu vas rentrer maintenant dans la nouvelle alliance. De la croix de... Tu connais l'alliance? Tu as connu la révélation? Maintenant, tu prends Luc 22, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19. Oui. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Oui. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Oui. Après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur pour vous. Tu entends ça? Tu entends ça? Est-ce que ce matin tu veux sortir des alliances de Satan? Voici la nouvelle alliance que Jésus a tissée à la croix. Donc Dieu voulait te sauver, toi et moi, païen. La Bible dit dans le livre des Hébreux, dans le livre des Psaumes aussi, que Dieu a dit aux anges, qui je viens envoyer sur la terre pour sauver l'être humain. La Bible dit dans les cieux, dans les airs, sur la terre, sous la terre, sous la mer, il n'y a pas une créature qui a dit je vais sauver l'être humain. Satan, même que nos parents ont eu à adorer là, il a eu peur. Il dit la croix, c'est pas facile, lui ne va pas là-bas. Est-ce qu'ils me suivent, même? Toi, c'est Dieu lui-même. Tu vas maintenant le payer, le prix de ton rachat, le prix de ta rédemption, le prix pour que maintenant tu aies la vie éternelle. Donc ce matin, regardez, maintenant, quand tu vas maintenant rentrer dans la nouvelle alliance, en croyant vraiment à la mort de Jésus à la croix, maintenant tu rentres dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu me suis? Maintenant que tu es rentré dans la nouvelle alliance, tu vois, ce matin, maintenant, on va prendre la Sainte Seine. Tu vois, que quand tu prends la Sainte Seine, c'est dangereux. La Sainte Seine, c'est le symbole de la nouvelle alliance. Jésus a dit quoi? Le pain, c'est son corps. Le jus, là, c'est son sang. Donc, on rentre dans la nouvelle alliance. Quand on aura tout le monde de prendre la Sainte Seine, on est en train de Satan. Aujourd'hui, là,
Je ne suis plus dans ton camp. On me suit, qui me suit? Je ne suis plus dans ton... Maintenant, je suis rentré dans l'alliance de Dieu. Alliance de masque. Alliance de sorcellerie. De maraboutage. Fétiche. Tout ça, de mes ancêtres, je n'en veux plus.